Stay. Don't leave me here this way. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour ouvrir ma petite box spéciale pour moi, le petit cadeau que je m'auto-fais tous les mois de ma grossesse. Je trouve que c'est bien et que c'est important de se faire un petit plaisir, tu vois. Et j'aime bien partager ça avec toi parce que dans les autres vidéos, j'ai vu que ça te plaisait bien. Donc, bah, continuons, n'est-ce pas? Donc, du coup, on va ouvrir cette petite boîte. Je t'ai attendu, hein, j'ai été sage. Hop! Donc comme toujours, il s'agit de ma Happy Box. Donc c'est une box grossesse. Voilà, je vous ai dit, j'avais envie vraiment de prendre quelque chose pour la grossesse. Je me dis, oh, peut-être que je pourrais prendre aussi, bon maintenant c'est un peu tard, mais une box beauté. À voir, je verrai si je m'abonne sur une box beauté en plus. Mais pour le moment, j'avais envie d'une box spéciale pour moi dans la tente de mon bébé. Donc du coup, la Happy Box de ce mois-ci se présente toujours et encore dans le petit sachet. Et à savoir que moi, je les réutilise et qu'ils se trouvent actuellement dans mon début de valise maternité. Donc c'est plutôt pratique. Donc toujours le même motif de la petite femme enceinte avec ses petits cadeaux. Donc j'aime beaucoup. Alors c'est parti, on va ouvrir et découvrir toutes les petites surprises qu'il y a dans ce sac. Alors, j'ai l'impression qu'il y a donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 choses dans ce sac. Alors est-ce qu'on va essayer de les prendre dans l'ordre? Un beurre de qualité, je pense que c'est ça. Hop, comme ceci. Je ne sais pas si tu vois bien. Donc c'est un petit pot beurre de karité, Institut Karité Paris, 50 ml. Oh, bon, forcément, là, l'opercule, il est caché. Est-ce qu'on peut sentir? Non, alors l'opercule est genre complètement opaque, tu peux t'accrocher, tu sens rien du tout. Donc ils disent qu'il est regorge de vitamine A, de vitamine D, de E, enfin bref, il y a pas mal de vitamines. Et du coup, que je peux sans doute complètement utiliser en tant que femme enceinte. Pour les peaux abîmées par le soleil, le vent ou le froid, donc en période d'hiver j'ai envie de dire, le froid on peut pas le renier. Donc ça fait du bien de pouvoir se réhydrater. De toute façon, le maître mot de la grossesse je crois que c'est l'hydratation. Voilà, tout simplement, c'est limite le premier mot pour la femme enceinte, c'est t'es enceinte, hydrate-toi. N'oublie pas de mettre des crèmes. Hein. C'est un petit peu la phrase qu'on doit te dire tout le long de ta grossesse. Donc des fois des choses autres que grossesse pour s'hydrater c'est sympa parce que souvent il y a plus d'odeur. Moi j'adore mettre des choses sur mon corps mais il faut que ça sente hyper bon. Faut que j'ai envie de me manger toute seule derrière. Sinon, si ça sent rien et que ça me donne pas faim. Par exemple, quand je me lave, mon gel douche c'est Dop au caramel. Et ben j'adore l'odeur. Bah il faut que ça sente bon, voilà c'est pareil. Et le beurre de karité, moi c'est une odeur que j'adore. Donc voilà, premier chouchou, ça c'est pour Bibi. Ensuite, un dentifrice. C'est quoi le message à faire passer? Un dentifrice, gel dentifrice. Donc c'est de la marque Arthrodon. Donc Pierre Fabre OL Care. Je connais pas du tout. Donc dents et gencives. Par contre, ça c'est clair qu'il faut faire très attention au dentifrice que vous choisissez quand vous êtes enceinte. J'en parle en connaissance de cause parce que j'ai une gingivite pendant la grossesse. C'est parti. Une gingivite, c'est la gencive qui est hyper sensibilisée et qui va vous faire un mal pas possible pour dire je n'ai jamais eu de soucis dentaires, de caries, de quoi que ce soit, jamais eu de douleur aux dents. Je ne savais pas ce que c'était avant d'avoir une gingivite. Et ben j'ai cru que je pleurais, ça me faisait une telle douleur que ça venait me remonter, ça me faisait une migraine, j'entendais plus rien limite de l'oreille. C'était affreux la douleur et en fait, c'est pas une carie. Donc du coup, ça a été là pendant 3 jours. Ça disparaissait, ça revenait. Et donc le dentifrice qu'on utilise pour pouvoir un petit peu adoucir cette sensibilité, c'est hyper important. Donc celui-là, je pense qu'il doit être complètement adapté pour une femme enceinte. Protection de dents et de gencives. Donc oui, ça va vraiment travailler sur la côté protection et le côté gencives et les dents enceintes. En fait, les filles, on dit souvent, une grossesse, on perd une dent parce que l'enfant va... je sais pas pourquoi, ça va tuer les dents. Je ne saurais plus l'expliquer. Celles qui savent, bah, dis-le moi en barre d'infos parce que là... comme ça, je me souviens plus. Mais les dents, c'est hyper sensible enceinte. Et le dentifrice, c'est hyper important. Donc, à tester, à voir. On verra bien, je vous en dirai des nouvelles. Alors, avec, ils mettent le dentifrice, la petite brosse à dents. Je ne l'avais pas vue. Voilà. C'est pas... bah, du coup, ça doit être une brosse à dents spéciale, peut-être. Hop, je regarde. Oui, ouais, c'est le poil doux. Le poil doux, c'est important pour les dents parce qu'il faut y aller en douceur. Voilà. Si vous ne saviez pas quoi prendre pour vos dents étant enceinte, maintenant vous savez. Ceci, donc Matilia,
Nebula, alors ça je connais, j'ai déjà vu cette marque sur les salons baby. Donc vous souhaite une bonne et heureuse année 2017, j'allais dire 2016, mais non, ça y est, nous sommes en 2017, et c'est le temps de se réveiller, ça brille là maintenant. Même déjà à l'intérieur de la pochette, vous avez vu. Alors, meilleurs vœux avec un joli petit stylo. Bon, elle est très jolie la petite carte pour la nouvelle année, hein. Moi je vais garder surtout le stylo. Ça. Un stylo, ça sert toujours. Donc ça, c'était un plus parce que c'est même pas noté, noté sur la brochure. Mais bon, bah, tant mieux, c'est un petit bonus. Donc ensuite, il y a ce petit badge et il est trop choupinou. Enfin, choupinou, moi, je le trouve rigolo. C'est une femme enceinte qui est en train de se faire une cure de fraises, de chantilly, de Nutella, d'hamburger. Bref, tout ce qui est bon et idéal pour la femme enceinte avec son joli bidou bien rond. Et donc ils appellent ça donc le badge de la grossesse et qui peut être une façon humoristique d'annoncer une grossesse pour ceux qui ne l'ont pas annoncé ou tout simplement de l'avoir en mode je suis une femme enceinte sur un petit sac ou quoi. C'est une petite touche d'humour et de rappel de la grossesse, ça peut être super sympa. Il est mignon et c'est de la marque camalone.com si je dis pas de bêtises, c'est ce qui a l'air d'être écrit derrière. Donc c'est trop choupinou. Moi j'avais déjà le t-shirt Mom to be party. Non, j'ai le badge, tu vois, si tu vois pas mon ventre, tu vois le haut, tu sais que je suis enceinte, c'est écrit dessus. Et un dernier, une petite chose pour bébé, et ça c'est chouette, c'est bébé chat. C'est un petit livre où c'est tout doux, tout doux. Les chatons ont un pelage très doux. Alors on en a un là. Ah, là après c'est la petite langue, rappeuse. T'as vu Minouche, il y a un livre sur toi. Je sais pas si on va te voir. Hein. En fait c'est avec toutes les matières, bon bah là c'est la gamelle. C'est un livre tourné sur les mimiou. Ça c'est vraiment top les livres comme ça. Eden il en a quelques-uns. Bah celui-là je le mettrai de côté pour ma puce parce que c'est vrai que j'ai pas encore commencé une bibliothèque. C'est quelque chose que je me tâte en fait. Est-ce qu'il y a un intérêt que je fasse une bibliothèque pour elle aussi ou est-ce que la bibliothèque commune peut être suffisante? Il a déjà quand même pas mal de livres. Donc je sais pas trop encore. Bah dis-moi toi si t'as deux enfants ou plusieurs, comment tu fais? Est-ce que c'est les livres pour tout le monde ou est-ce que chacun a ses propres livres? C'est un peu la question que je me pose. En tout cas les filles, ça y est. Ça y est, le sac il est vide. Donc bon, que veux-tu hein, c'est le principe d'une box, c'est quelques petites choses par mois pour se faire plaisir. Si tu connais d'autres box que t'aimes bien, bah, n'hésite pas à me dire en commentaire. Moi, tu vois, j'arrive sur la fin de ma grossesse et j'ai déjà reçu plusieurs mois. Je l'ai eu octobre, novembre, décembre, donc janvier, ça fait déjà 4 mois que je la reçois parce que je ne l'ai pas mise en place tout de suite. Cet abonnement, il fallait que ça me tienne bien à l'esprit en fait, tu vois. C'est le temps que ça remonte au cerveau, avec le ventre, ça prend plus de temps. Et du coup ça fait 4 mois que je la reçois et 4 mois c'est toujours super sympa, c'est toujours des découvertes, c'est super chouette. Donc voilà, j'ai fait le tour. À toi de me dire en commentaire bah, qu'est-ce que t'en as pensé, si tu trouves que la box est sympa, un petit peu ton avis. Si t'as aimé cette vidéo, bah, comme toujours mets des petits pouces bleus. Moi ça me fait toujours plaisir de voir des vidéos avec plein de pouces bleus. Je me dis que ça veut dire qu'elle vous a plu. En tout cas je te remercie de l'avoir regardé. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.